C'est clair. Est-ce que vous voyez? Donc c'était comme ça dans la mosquée. Il y avait les cercles de science, il y avait les cercles de lettres. Qu'Allah nous aide. Donc il y avait ça, cet élément dans la foi. Autre élément dans la foi, et ce sera le dernier pour la foi, on va passer aux autres points. Autre élément, alors je vais essayer de vous expliquer un peu l'ambiance hein, qui règne entre les Sahaba au début de cette période médinoise. Allah Ta'ala dit « Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah » Il est toujours dans sourate Al-Baqarah. Il y en a parmi les gens qui achètent sa personne pour la satisfaction d'Allah. Il s'agit de qui? De Sohaib al-Rumi. Sohaib, le Romain, le Byzantin. Hein, Sohaib, c'est un Mécois. Mais on l'appelle le Byzantin parce qu'il a vécu chez les Byzantins. Est-ce que vous voyez? C'est comme si vous avez un Réunionnais qui a vécu à Maurice, et puis il revient, et puis on dit le Mauricien. Alors qu'il est Réunionnais, mais il a vécu à Maurice. Est-ce que vous voyez? C'est comme ça, Sohaib. Et donc il est revenu à la Mecque. Après, quand il a voulu faire la hijra, les jeunes de la Mecque lui ont barré la route. Ils ont dit, ah, tu veux partir, vas-y, mais l'argent que tu as gagné ici, parce que tu es venu ici les mains vides, tu ne vas pas partir avec notre argent. Alors, ce n'est pas juste parce qu'il a travaillé pour gagner son argent. Ils ont dit, mais tu ne repars pas avec notre argent d'ici. Il leur a dit, si vous voulez m'empêcher de partir, je vais vous lancer toutes mes flèches et vous savez que je suis le meilleur archer parmi vous. Et ensuite, je vais me battre avec mon sabre jusqu'à mourir. Mais si vous voulez l'argent, je vais vous dire où est-ce que j'ai caché mon argent. Vous allez le prendre. Ils ont dit, non, on veut que l'argent. Donc, il leur a dit, et puis il est parti. Hein? Et si c'était n'importe qui parmi nous, on aurait peut-être donné des fausses indications, puis on s'en fout, puisque tu t'en vas. Hein? Mais non, c'était la parole, hein, et c'était la parole, et la parole du musulman, et l'honneur, et ils étaient comme ça, vraiment, c'était des hommes d'honneur. Même des non-musulmans hein, ne voulaient pas qu'on dise que ce sont des menteurs. Donc je disais quoi? Donc il leur a donné, il est parti. Arrivé à Médine, le prophète lui dit, « Rabbi halbaya Aba Yahya, ta vente, ta transaction que tu as passée, elle est gagnante. Donc tu as acheté ta liberté, tu t'es acheté toi-même hein, avec ton argent. Et Allah a donné ce verset. Ce que je veux dire, c'est que quand les Sahaba faisaient des actes exceptionnels, hein, de sacrifice, d'héroïsme, d'adoration, de piété, etc., Allah descendait des versets pour les féliciter. Et ce qui fait que quand on se retrouve comme ça dans la mosquée, quand il se retrouvait, il y a lui, tel verset descendu pour lui, l'autre tel verset descendu pour lui, mais chacun se dit, moi aussi, qu'est-ce que je peux faire pour l'islam? Qu'est-ce que je peux faire que Allah veut hein, pour plaire au prophète sallam? Peut-être qu'Allah aussi va me donner des versets, hein, que le prophète sallam va parler de moi. Donc c'était la concurrence. C'était la concurrence dans la piété, dans les sacrifices, dans tout ce que l'islam demandait. Les gens se concurrençaient seulement. C'était l'ambiance qui régnait parmi les Sahaba. Donc je vous ai dit qu'il y a trois points de la piété que Allah Ta'ala développe plus, dont Allah parle plus longtemps dans Sourate Al-Baqarah. Le premier, c'est la foi. Le deuxième, c'est l'argent. Le deuxième, c'est l'argent. Et effectivement, je pense que tout le monde comprend qu'il y a un lien entre la foi et l'argent, entre la piété et l'argent, qu'il y a un lien très fort. Hein? Ça veut dire quoi? Que la plupart des musulmans, leur religion s'arrête là où l'argent commence. Hein? Dès qu'il s'agit d'affaires d'argent, il n'y a plus de religion dedans. Là, on rentre dans la logique de l'argent. Il ne faut pas me parler de halal, haram, de comme ça, de comme ça. Non, 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 non. L'argent n'a pas d'odeur. Voilà. C'est l'argent seulement. Voilà, nous. Et pitié de nous. Hein? Et ce n'est pas possible que tant que tu as mis dans ta tête que pour réussir ta vie, il te faut l'argent. Avec ou sans religion, dans le halal ou dans le haram, qu'importe, mais tu as besoin de l'argent et que tu vas avoir la piété. Tu n'auras rien du tout. Hein, tu n'auras rien du tout. Hein, ton Dieu, c'est l'argent, point barre. C'est ça. Ça veut dire que quand la religion, ça marche avec l'argent, c'est bon. Quand la religion, ça ne marche pas avec l'argent, clac, tu laisses la religion, tu fais l'argent, voilà. Et après, on fera la religion. Est-ce que vous voyez? Voilà, et pitié de vous. Hein? Donc, le deuxième thème dans Sourate Al-Baqarah, qu'Allah développe beaucoup, c'est l'argent. Et on a trois interdits au sujet de l'argent. Vous voyez? Trois interdits. Le premier, je vous l'ai dit, dans Sourate Al-Mutaffifin, c'est la triche. C'est la triche. C'est vrai que ce n'est pas dans Sourate Al-Baqarah, mais c'est la même période législative et éducative. La triche. Donc, ce qu'on travaille, il faut être honnête et faire un travail consciencieux, etc. Un bon travail, pas du magouillage. Alhamdoulilah, j'espère que... Ça dépend des cultures, ça dépend des gens, hein, mais j'espère qu'ici on n'a pas. Mais par exemple, il y a une fois bon, en Afrique, en tout cas, un jeune me pose une question, il dit voilà, vu les mécaniciens chez un patron, et le patron lui dit enlève cette pièce de la voiture et tu vas la repeindre
et tu la remets, et comme ça, tu vas dire au gars que la pièce était cassée et on a acheté une autre pièce pour mettre à sa place. Alors que c'est la même pièce qu'on a sortie de la voiture pour la repeindre et la remettre à sa place. Hein? Il me dit, comme c'est mon patron qui me demande de faire ça, est-ce que j'ai le droit de le faire? Je dis, non, tu n'as pas le droit de le faire. Et ça, ce n'est pas un garage de mécanique. Ça, c'est un garage de bandits. Hein? Ça, c'est un garage de bandits. Donc, tu ne dois pas du tout rester là-bas. Hein? Va à un endroit où est-ce qu'on répare les voitures, où est-ce qu'on travaille vraiment. Hein? Ça, tu ne peux même pas rester là-bas, ça ne sert à rien. Hein? Ça ne sert à rien. Ça, c'est quel genre de travail de faire ça comme ça. Vous voyez? Le deuxième interdit, hein, c'est la corruption. Ne mangez pas votre argent entre vous et justement en allant donner une partie aux gouvernants pour pouvoir prendre l'argent des gens injustement. La corruption. Et le troisième interdit dans Sourate al-Baqarah, c'est le riba. D'accord? Tout le monde comprend le riba. C'est le troisième interdit. Et vous voyez que le riba, Allah insiste beaucoup. Hein, Ya ayyuha alladhina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin. Vous qui avez cru, craignez Allah et laissez le reste de riba. Le reste de riba, c'est quoi? Ça veut dire que une fois que l'interdiction est venue, ce qui est passé est passé. Maintenant, je t'ai prêté de l'argent, tu veux me donner des intérêts. À partir d'aujourd'hui, tu vas rembourser le capital, il n'y a plus d'intérêt. Ce qui a été payé avant, on ne revient plus dessus. Mais à partir d'aujourd'hui, il n'y a plus que le capital entre nous que tu vas me rembourser. C'est comme ça qu'Allah t'a dit. Hein? Si vous ne le faites pas, on vous annonce une guerre d'Allah et de son messager. Donc vous voyez que c'est très grave. Et regardez, dans cette même sourate, il y a eu l'alcool. Les sahabes sont venus dire au prophète, l'alcool est le jeu de hasard, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Et Allah Ta'ala dit, dit, il y a dedans beaucoup de mal et des utilités pour les gens, et le mal est plus que le bien. Et Allah n'a pas interdit l'alcool à cette étape-là. Est-ce que vous voyez? Et à ce moment-là, Allah a interdit le riba avant d'interdire l'alcool. Est-ce que vous voyez? Alors qu'aujourd'hui, si quelqu'un boit l'alcool, mais c'est très grave. Hé, mon frère, tu étais dans la mosquée, tu es en train de boire la dodo l'est là. Hein? Comment ça se possible? Est-ce que vous voyez? C'est pas possible. Mais tu as pris un crédit pour X ou Y. Hein? C'est normal. N'est-ce pas? Voilà, tu as la petite. Est-ce que vous voyez? Donc, ça veut dire que l'interdiction de riba est plus grave, plus accentuée que l'interdiction de l'alcool. Trois interdits et plus beaucoup de versets qui nous disent de dépenser. Et dans ces versets, je vais vous en dire un seul. De ce qu'on leur a donné, ils dépensent. Hein? Allah dit, de ce qu'on leur a donné, ils dépensent. La plupart des musulmans se disent que si Allah me donne beaucoup d'argent et que j'ai fini de régler mes problèmes et d'assurer mon avenir et d'assurer l'avenir de mes enfants, alors là, s'il me reste encore de l'argent, eh ben je vais donner pour les mosquées, pour les madrasas, pour les ceci, pour les cela, pour toutes les choses de l'islam. Alors que ce n'est pas ça qu'Allah nous dit. Allah nous dit, de ce qu'on leur a donné, ils dépensent. Même si tu as peu, il y a des gens qui ont moins que toi. Il y a des gens qui ont moins que toi. Et tu vas prendre un peu de ce que tu as pour les aider. Et tu vas aussi prendre un peu de ce que tu as pour donner aussi pour les causes de l'islam. Parce que c'est notre responsabilité à tous. Vous voyez? Ça veut dire, si toi, tu n'arrives pas à payer la scolarité de tes enfants, mais il y en a qui n'arrivent pas à payer la nourriture de ses enfants. Donc, tu dois l'aider. Tu dois l'aider. Tu prends un peu et tu aides. Et tu prends un peu pour donner aussi pour l'islam. Et quand tu vas donner un peu de ce qu'Allah t'a donné, Allah va te donner plus. Et chaque fois qu'Allah te donne, tu prends un peu et tu donnes, et Allah te donne plus, et Allah te donne plus. Et ça continue comme ça. Vous voyez? Mais si toi tu dis, non, moi ce que j'ai, ça ne me suffit pas, je ne donne pas. Eh bien, comme tu ne donnes pas, aussi Allah Ta'ala va te restreindre, va te serrer les vis, jusqu'à ce que tu t'étouffes. Qu'Allah Ta'ala ait pitié de nous. D'accord? Hein? Donc, vous voyez, pour vivre ce verset, chacun a... Vous voyez ce verset-là, il est répété beaucoup de fois dans le Coran, c'est vrai que je n'ai pas compté, mais il est répété beaucoup de fois à travers le Coran, de ce qu'on leur a donné, ils dépensent. Ce verset n'a laissé personne. Tout le monde est concerné par ce verset. Quelle que soit ta situation, Allah t'a donné quelque chose. Et Allah attend de toi que tu dépenses de ce qu'Allah t'a donné. Hein? Donc ce verset n'a laissé personne. Donc tu vas te dire que
je vais, Inch'Allah, appliquer ce verset. Chaque fois qu'Allah me donne quelque chose, je vais prendre une partie pour donner pour Allah. Même si c'est peu, je vais prendre un peu dans ce peu. Et si c'est beaucoup, alhamdoulilah, vous voyez. Et ce verset, je vais l'appliquer chaque fois. Voilà, ça va me faire un verset, Inch'Allah, que coûte, je vais l'appliquer, Inch'Allah, yawm al-qiyama, et va me défendre. Parce que je vais l'appliquer. Chaque fois que je gagne de l'argent, je vais en prendre un peu, à une partie, pour donner pour Allah, tabaraka ta'ala. Le troisième élément de Sourate al-Baqarah, le troisième élément de la taqwa que Allah développe beaucoup dans Sourate al-Baqarah, c'est quoi? C'est les femmes. Allah parle beaucoup des femmes, du divorce, mais autre chose que le divorce aussi, dans Sourate al-Baqarah. Effectivement, la femme, c'est la moitié de la population, plus ou moins, et on ne peut pas avancer sans les femmes. Et avant l'islam, la situation des femmes, c'était des objets ou du bétail. C'était comme ça. Puisque les gens héritaient les femmes. Ça veut dire que quand quelqu'un meurt, il a plusieurs épouses et puis il n'y avait pas de limite avant l'islam, et bien ses enfants vont chacun attraper la femme qui lui plaît et puis elle va être à lui. Excepté sa propre mère, mais ils vont prendre les autres épouses de leur père et puis c'est tout, elle est à lui, sans refaire de mariage, sans qu'il y ait de idda, rien du tout. Comme il a hérité de la vache de son père, comme il a hérité de l'argent de son père, et bien il va hériter aussi des femmes de son père. Voilà, ça fait partie. Elles font partie de l'héritage. Est-ce que vous voyez? Donc vraiment, l'islam est venu donc régler ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Médine? Il s'est passé qu'un homme a divorcé sa femme. Et il lui a dit, je te divorce. Quand tu vas presque finir tes 3 mois, je vais te reprendre. Et puis je te redivorce. Et quand tu vas presque finir tes 3 mois, je te reprends et je te redivorce. Et tu vas rester comme ça. Et la femme est allée se plaindre chez le prophète, c'est que voilà ce que mon mari a dit. Et Allah donc a descendu les règles du divorce. Allah dit At-talaq marratani fa'imsakun bima'ruf aw tasrih bi'ihsan. Le divorce c'est 2 fois. Ensuite vous les gardez convenablement ou vous les libérez convenablement. Et Allah dit dans ces règles de divorce walahunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf walirrijali 'alayhinna daraja. Elles ont autant de droits qu'il leur incombe de devoir, que de devoir, mais les hommes ont un grade au-dessus d'elles, ça veut dire c'est l'homme qui commande. C'est l'homme qui commande, mais en dehors du fait que l'homme commande, la femme, elle a autant de droits que de devoirs. Elle a des devoirs, elle a des droits aussi. Équivalence entre les droits et les devoirs, sauf que c'est l'homme qui est le chef de famille. Vous voyez, dès le début de la législation sur la femme, Allah établit ce principe qu'elle a autant de droits que de devoirs. Et puis Allah dit aussi, elles sont des habits pour vous, vous êtes des habits pour elles. C'est-à-dire, toi, tu protèges ta femme, tu la nourris, tu ramènes, tu fais la maison, etc. Elle aussi, elle est là pour te protéger, pour pas que tu te débauches, pour protéger tes enfants, elle s'occupe d'eux. Tu reviens de ton travail fatigué, tout ça, tu trouves ton manger chaud, tu trouves tes habits lavés, repassés. Et bien voilà, vous vous complétez. Vous vous complétez et tu as besoin d'elle, elle a besoin de toi. C'est comme ça. Ce n'est pas tellement une domination, c'est quelque chose qui se complète. Et pour que vous viviez en harmonie, en amour, etc. Et puis Allah Ta'ala dit aussi, Nisa'ukum harfun lakum. Vos femmes sont un champ de labour pour vous. Et l'image du champ de labour est très riche. Très riche en sens, en interprétation. Quand tu es cultivateur et tu as un champ, déjà il faut que tu choisisses un bon champ pour avoir une bonne récolte. Et tu vas t'occuper de ton champ. Tu vas enlever les mauvaises herbes, les cailloux. Tu vas chercher les meilleures graines à mettre dans ton champ. Tu vas fertiliser, tu vas ramener l'eau, tu vas travailler ton champ pour avoir une bonne récolte. Donc, si tu veux avoir des bons enfants, eh ben, c'est pas avec. Il faut que tu choisisses une femme qui a la religion, qui soit éduquée, qui soit de bonne famille, etc. Et puis, non seulement tu vas la choisir, mais tu vas la travailler toi-même. Tu vas travailler sa santé pour qu'elle soit en bonne santé, pour qu'elle puisse, Inch'Allah, faire les enfants, mais bon, pour qu'elle soit aussi en bonne santé. Tu vas l'éduquer dans la religion, dans la connaissance de la vie. Tout ce que tu vas investir sur ta femme, tu vas le trouver dans tes enfants. Tout ce qu'elle a éduqué, tout ce qu'elle a appris, tu vas le trouver dans tes enfants. Regardez l'exemple d'Ibrahim alayhissalam avec Ismaïl. Ça me sort un peu du cadre, mais comme je l'ai dit, je vais le finir. Regardez, quand Ibrahim vient, il a laissé son enfant bébé avec sa mère. Donc, je ne sais pas combien de semaines ou combien de mois, en tout cas, il a laissé bébé qui allait de sa mère. Il est revenu, c'était un gamin qui pourrait plus jouer. Et il voit en rêve qu'il l'égorge. Ibrahim dit à son fils, je vois en rêve que je t'égorge. Ibrahim sait que Allah lui ordonne d'égorger son fils. Mais il ne sait pas comment dire ça à son fils. Donc il commence à lui en parler. Il commence à lui en parler, il dit voilà, j'ai fait un rêve bizarre. J'ai rêvé que je t'égorge. Pour lui dire que, petit à petit, lui expliquer que c'est Allah.
Et qu'est-ce que son fils lui dit? Dis, papa, fais ce qu'Allah t'ordonne. C'est-à-dire, l'enfant l'a devancé. Fais ce qu'Allah t'ordonne. Parce que l'enfant, non seulement il a compris le rêve, mais il a compris que son père est en train d'hésiter. Il a compris que son père ne sait pas trop comment lui dire ça. Et c'est l'enfant qui lui dit, fais ce qu'Allah t'a dit. Vous voyez comment le père et le fils sont sur la même longueur d'onde. Alors que le fils n'a jamais connu son père. Est-ce que vous voyez? Alors qu'il n'a jamais connu son père. Donc c'est la mère qui lui a tout enseigné. C'est la mère qui lui a tout enseigné. Comme s'il avait toujours vécu avec son père. Est-ce que vous voyez? Donc ça veut dire que tout ce que vous investissez sur votre femme, eh bien, vous allez le retrouver dans vos enfants. Donc la femme, ce n'est pas un objet, ce n'est pas du bétail. Non, c'est un être humain comme toi. Vous vous complétez et tu vas tout faire pour qu'elle apprenne, pour qu'elle comprenne, pour qu'elle ait les qualités, tout. Et tout ça, tu vas le trouver dans tes enfants. Tu vas le trouver chez tes enfants. Et la terre aussi, quand tu as une terre, si tu l'as travaillée cette année et que tu as une bonne récolte, et si l'année prochaine tu dis, c'est bon, et tu ne travailles plus, ta récolte va diminuer, jusqu'à ce qu'on n'a plus du tout. Est-ce que vous voyez? Donc quand tu as une femme, c'est un boulot à vie. De lui enseigner la religion, de la nourrir, de l'encourager toujours en achetant des fleurs, en faisant des choses avec des bonnes paroles. C'est un travail que tu dois faire. Ce n'est pas juste qu'elle est là, c'est tout. Non, toi-même, tu vas travailler, tu vas prendre sur toi pour améliorer ce mariage, améliorer cette relation tout le temps. Comme tu as un champ, tu vas travailler ton champ chaque année. Chaque année, pour avoir une nouvelle récolte encore. Allah nous aide. Donc, vous imaginez qu'avec ça, combien les femmes étaient contentes. Ça veut dire que les femmes ont trouvé dans l'islam une rahma, une miséricorde inespérée, inimaginable. Elles n'ont même pas, les femmes n'ont pas manifesté, défilé pour obtenir leurs droits ou faire des révolutions. Non, Allah leur a donné sans qu'aucune femme. La femme est venue se plaindre, effectivement. Mais Allah a donné comme ça, tout ça aux femmes. Donc vous voyez combien les femmes dans l'islam, au temps du prophète, étaient motivées. Motivées elles-mêmes pour apprendre et pratiquer l'islam et motivées pour pousser leur mari à apprendre l'islam. Puisque plus ton mari va apprendre l'islam, plus il va être gentil avec toi, il va être bon et tout. Donc tu n'as qu'à l'envoyer apprendre l'islam. Comme ça, il va être un bon mari et un bon père, etc. Et ce qui fait que les hommes aussi pouvaient aller dans le jihad et même s'ils mouraient, fissabilillah, ils n'avaient pas d'inquiétude concernant leurs femmes et leurs enfants parce que tout le monde est dans la religion. Parce que tout le monde est dans la religion. Donc vous voyez qu'à Médine, dans l'éducation de la piété, les hommes et les femmes avançaient ensemble. Tout le monde avançait ensemble. Vous voyez? Ça, c'est les trois éléments de la piété qu'Allah Ta'ala développe plus dans Sourate al-Baqarah. Maintenant, on arrive à la fin. Sourate al-Baqarah s'est achevée avec une épreuve, avec un examen. Comme toute formation qu'on connaît aujourd'hui s'achève avec un examen de passage, de réussite pour voir qui a assimilé, compris, pratiqué tout ça et qui n'a rien compris à ce qu'on lui a enseigné, qui va avoir son diplôme et qui ne l'aura pas, n'est-ce pas? Et Sourate al-Baqarah s'est achevé avec une épreuve. Et ce n'est pas une épreuve écrite ni orale, c'est une épreuve réelle, une épreuve pratique. Quelle est cette épreuve? Allah Ta'ala a descendu. Lillahi ma fi as-samawati wa ma fi al-ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah fa yaghfir liman yasha wa yu'adhib man yasha wa sayqalun wa yu'adhib man yasha. En tout cas, Allah appartient à ce qu'il y a dans les cieux et dans la terre, et si vous montrez ce qu'il y a en vous ou que vous le cachiez, Allah vous en tiendra compte. Allah vous en demandera des comptes. Pourquoi tu as pensé à ça? Pourquoi tu as regardé lui et dans ta tête tu as dit mais lui il est moche? Pourquoi tu as dit ça dans ta tête? Allah va te demander tout ce qui est passé dans ta tête. Donc toi tu as dit le vieux, tu as dit pourquoi le vieux il est comme ça? Et pourquoi tu as pensé ça? Est-ce que vous voyez? C'est ça qu'Allah nous dit. Allah, c'est lui qui a ce qu'il y a dans les cieux, dans la terre. Donc Allah, c'est chez lui, il fait ce qu'il veut. Il décide ce qu'il veut. Personne ne peut lui dire non, c'est pas comme ça, ou moi je suis pas d'accord. Non, Allah, c'est à lui qu'appartient ce qu'il y a dans les cieux et dans la terre. Et si vous montrez ce qu'il y a en vous, que vous le cachez, Allah va vous en demander des comptes. Pourquoi tu as pensé ça? Pourquoi tu as fait ça? Pas t'as fait, pourquoi tu as dit ça dans ta tête? Et Allah pardonne à qui il veut, et châtie qui il veut, et Allah est capable de tout. Et les Sahaba sont venus en groupe chez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ils sont tombés à genoux, et ils ont dit à Rasulallah, Allah t'a donné, sallallahu alayhi wa sallam,
Allah t'a donné le verset de la prière, du jeûne, de l'aumône, du jihad, et tout ça on a fait. Et Allah t'a donné ce verset et on n'arrive pas à le faire. Regardez bien. Ce verset qui est le troisième verset avant la fin de Baqara. Quand ce verset est descendu, tout ce qu'il y a dans Baqara, les sahabes ont déjà appliqué. Hein? Les sahabes ont déjà fait tout ce qu'il y a dans Baqara. Ils ont déjà tout fait. Tous les versets qui viennent, ils les appliquent, ils les appliquent, ils les appliquent, ils les appliquent, ils les appliquent. Ils ont tout fait. Toutes les conditions de la piété, tout le jihad, tout. Et arrivé à ce verset, ils ont essayé. J'ai dit, bon, maintenant, il ne faut plus qu'on pense quelque chose de mauvais. Donc, je commence le matin, subhanallah, alhamdulillah, Allah, Akbar, la ilaha illallah. Je dis, gros comme ça, astaghfirullah, la hawla, la quwwata illa billah. Je recommence, bismillah, la ilaha illallah, Allah, Akbar. Je dis, hey, c'est une jolie fille là. La hawla, la quwwata illa billah, astaghfirullah. Je recommence. Et puis, je vois que j'arrive pas. Je dis, mon frère, mais comment tu as fait ce verset là? Tu dis, Wallah, moi aussi, j'arrive pas. Ah bon? Et toi? Mais j'arrive pas. Mais personne n'a réussi à le faire. Et ils sont allés voir le prophète. Ça me dirait, Rasulallah, tout, on a tout fait, mais ce verset-là, on n'arrive pas à le faire. Voilà, on est tous là. Personne n'arrive à le faire. Et le prophète, ça me dit, quel verset? Et ils disent, Lillahi ma fi samawati wa ma fi l'ard, etc. Et le prophète, ça me s'est fâché. Il dit, quoi? Vous voulez me faire comme les juifs et les chrétiens qui disent à leur prophète, Sami'na wa asayna? Vous voulez me faire toutes les histoires qu'on a dit sur les juifs? Il leur dit, voici les ordres, ils disent, on ne veut pas les ordres, allez combattre, on ne veut pas combattre, faites ceci, on ne veut pas faire. Vous allez me faire la même chose. Après tout ce qu'on vous a enseigné, après tout ce qu'on a vécu, vous allez me faire la même chose qu'eux. Vous voulez me dire, Sami'na wa asayna, on écoute, on désobéit, ça veut dire, on écoute, on a compris, ouais, on a bien compris ce que tu dis, qu'Allah nous dit de faire ça, et bien on n'est pas d'accord, on ne va pas le faire. Allez, vas-y, fais ce que tu veux, nous on ne va pas le faire. Hein? C'est ça que vous allez me dire. Il dit, non. Non, vous allez dire, nous écoutons, nous obéissons. Pardonne-nous notre Seigneur, vers toi nous retournons. Et les sahabes se sont soumis. Et ils ont accepté de le dire. Sachant que c'est impossible. Sachant que c'est impossible. Mais ils se sont soumis. Et ils ont accepté. Et ils ont dit. Et quand ils ont accepté, Allah maintenant est descendu pour les féliciter. Le messager et les croyants ont cru en ce qui leur a été révélé de leur Seigneur. Et voyez que l'iman, ce n'est pas ils ont cru, ça veut dire, comme nous on croit. Nous aussi on croit. On croit. On croit qu'Allah a descendu le Coran. Ah non, c'est pas ça la foi. Non, la foi c'est pas ça. Juste de savoir qu'Allah est descendu, mais lui aussi il sait qu'Allah a descendu le Coran. N'est-ce pas? Il sait. Hein, qu'Allah a descendu le Coran. C'est pas ça. C'est pas juste, je sais qu'Allah a descendu. Ils ont cru, ils ont appliqué toute la Baqara. C'est ça leur iman. Tout ce qu'Allah a descendu, ils ont abandonné leur vie, leur mode de vie. Ils ont tout changé leur vie pour vivre le Coran. Hein, tout ce qu'ils faisaient, ils ont changé. Tout ce qu'Allah a dit de faire, ils font. Ils ont laissé le passé. Toutes leurs habitudes, leurs passions, etc. Ils ont tout laissé pour vivre ce qu'Allah Ta'ala a dit de vivre. Hein? C'est ça leur iman dans le Coran. Hein? Tu vois? L'iman dans le Coran, voyez, dans un portable, tu as une carte SIM, n'est-ce pas? Tu as une carte SIM, et bien tu vas enlever la SIM qu'il y a dans ta tête et tu vas mettre le Coran à la place. Clic! Voilà, maintenant, tu vas fonctionner avec le Coran. Hein? Au lieu de fonctionner avec tes idées, avec ton intelligence, avec tes contraintes sociales, avec tes... Non. Tu vas fonctionner avec le Coran. Voilà. C'est ça ton iman. Hein, dans le Coran. Hein. Qu'est-ce que je disais? Et Allah dit, voilà comment ils ont cru. Ils ont appliqué toute la Baqara. Vous avez lu, non? Parce qu'on arrive à Aman al-Rasoul, l'avant-dernier verset. Vous avez lu, non? Depuis Elif Lam Mim jusqu'à ici, ils ont tout appliqué. Hein? Et on leur a rajouté un verset impossible. Impossible. Et ils ont accepté. Et ils ont accepté. Aman al-Rasoul, bima unzila ilayhim rabbi wal mu'minu. Et Allah les appelle quoi? Les croyants. Alors on leur donne le diplôme de Al-Iman. Tous ceux qui ont passé cette étape jusque-là. Et ils ont fait ça. Ça c'est le mu'min. C'est les croyants. Alors Allah le dit avec fierté. Et Allah le montre. Regardez ce qu'ils ont fait. Ils ont cru. Subhanallah. Et on a les hadiths jusqu'à maintenant. N'est-ce pas? Mais c'est dans le hadith. C'est connu. C'est hadith connu. Hein? Qu'Allah nous aide. Qu'est-ce que je disais? Hein?
Et puis Allah Ta'ala a changé l'ordre. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah ne charge une personne que de ce dont elle peut faire, de ce dont elle est capable. Laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Ça veut dire à elle ce qu'elle a acquis comme acte et contre elle ce qu'elle a acquis comme acte. Ça veut dire tant que tu n'as rien fait ou rien dit, parce que les paroles, ça fait partie des actes. Si c'est seulement la pensée ou l'intention ou le sentiment, ça compte pas. Ça compte pas. Tant que tu n'as rien dit, tu n'as rien fait. Voilà. Donc si tu as une mauvaise pensée, tu dis astaghfirullah, mais il n'y a pas de péché. Tu n'as pas de péché tant que tu n'as rien dit. Tant que tu n'as rien fait, ça ne compte pas. Et Allah Ta'ala a donné les doigts. Vous voyez? Donc, c'était pour vous dire, on a appelé le thème l'éducation à la taqwa. Voilà, je pense que tout le monde a compris. Et vous voyez comment aussi toute la baqara devient une unité, hein, d'éducation à la vie. Et quelque chose d'uni. Voilà comment c'est parti du début jusqu'à la fin. Allah Ta'ala nous aide et nous accepte. Est-ce qu'il y a des questions? Les péchés, les limites qu'Allah il a dit de ne pas s'approcher. De ne pas s'approcher. Allah, est-ce qu'il les a définis dans la sourate Al-Baqarah? Non. Non, non. Disons que il y avait l'intérêt, mais après peut-être le zina. Le zina, c'est interdit depuis la Mecque. Depuis la Mecque, donc depuis les versets mécois, le zina est interdit. Vous voyez, bon, le zina, depuis les Arabes avant l'islam, ils considèrent que c'est quelque chose de mauvais. C'est quelque chose de mauvais, donc c'était interdit. Tuer injustement, voler, bon, toute injustice, de toute façon, c'est interdit. Donc le zina, bon, la nouveauté, c'était l'alcool. L'alcool, les jeux de hasard. Et ça, Allah n'a pas interdit encore. Est-ce qu'on peut avoir un exemple d'une bonne action, par exemple, qui pourrait nous, si on la pratique, elle pourrait nous emmener juste à un péché, à une désobéissance? Dans le sens du verset qui dit n'approchez pas le péché, même si ça c'est une bonne action, mais ça peut vous entraîner vers le péché. Ce n'est pas une bonne action qui t'entraîne vers le péché, c'est une action neutre. C'est une action qui n'est pas un péché, qui peut te rapprocher d'un péché. Bon. Je ne vais pas donner l'exemple du zina, parce que dans le zina, Allah dit « Ola taqrab al zina », n'approchez pas le zina. Mais ce qui t'approche du zina, c'est regarder, c'est toucher, c'est déjà péché. C'est-à-dire là, c'est des petits péchés qui te tirent vers un grand péché. D'accord ? Comme la khalwa aussi, c'est interdit, hein, le tête-à-tête dans un endroit privé avec une femme étrangère. Alors pour dire, comme tu dis, qu'est-ce qui... un exemple de quelque chose qui n'est pas péché et qui pourrait être péché, ben reculer la prière jusqu'à ce que tu aies à l'heure limite, tu vois. Donc ne joue pas avec ça. Donc dès que c'est l'heure, ben essaie de prier tout de suite. Bon, si tu es en jama'a, tu es en jama'a, mais si tu es tout seul, ne néglige pas. Voilà, c'est un exemple. Quel autre payer la zakat, ne le remets pas plus tard, paye-la tout de suite si tu peux, si tu as les moyens pour la payer tout de suite. Voilà, la zakat. Bon, payer la zakat, bon, la zakat tout de suite, la zakat c'est au bout d'un an. Donc là où tu as commencé à compter, c'est au bout d'un an. Maintenant, si tu es agriculteur, c'est chaque fois qu'il y a la récolte. Bon, et puis, etc., il y a des cas. Je ne connais pas les spécificités du fiqh hanafi, je ne veux pas entrer dans les détails. Mais en tout cas, bon, je pense que d'une façon générale, quel autre exemple?